Yo les amis, c'est Vince. Encore une fois aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Division 2 avec l'événement bien sûr réanimation. Donc on va faire un petit topo, on va jouer un stuff full jaune sans exotique avec une arme exotique qui va très bien. Alors donc du coup, ben ce qui se passe, c'est que il y a eu l'événement réanimation. Bon, c'est vrai que ça a changé un petit peu, hein, au fait détail. Donc voilà, le détail, c'est une nouvelle technologie qui permet à l'ennemi de se réanimer automatiquement, donc ce qui fait qu'il se relève. Et puis voilà, si vous voulez pas en fait qu'il se relève tout de suite, ben vous mettez une petite balle au cerveau. Et en fait, la grande différence qu'il y a, et c'est vrai que j'avais fait une capture d'écran de l'événement, donc réanimation l'année dernière, et celui-ci, en fait, la grande différence, c'est le Écorod, donc qui est au milieu. Toute personne équipée d'un DAE. En fin de compte, moi tout à l'heure j'ai essayé. En fait, même les mobs qui sont à 10 mètres, vous allez voir, ils prennent le corrosif. Donc c'est un peu n'importe quoi. Et la seule différence aussi, c'est que, en fin de compte, les élites, avant, ils récupéraient toute une barre de santé. Maintenant, ils récupèrent beaucoup moins. Les violets, ainsi de suite. Et les petits rouges, pas grand-chose. Vous en verrez bien. Donc c'est vrai qu'ils l'ont un peu modifié. Bon, ça reste le même événement. Moi, j'ai joué avec lui, quoi, une ou deux journées parce que j'en peux plus. Voilà, c'est un des événements que je déteste. Donc voilà, ils l'ont un peu travaillé, tant mieux pour eux, hein, mais bon, c'est vrai que voilà. Après, il y a la Ligue. Bon, moi, personnellement, la Ligue, je vais pas la faire, parce que j'en ai ras le bol aussi, Liberty Island. Ouais, c'est bon, quoi. Arrivé à un moment donné. Donc, comme j'ai plus besoin de rien, bon, en fin de compte, je vais pas la faire. Tactique secrète, donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est bien, hein, qui va arriver dans 6 jours. Donc ça, honnêtement, c'est pas mal. Donc, je sais même pas si moi, tactique secrète. Non, je sais pas. Donc, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Donc, c'est encore un autre. Bah écoutez, écoutez, si c'est un autre, tant mieux, hein. Mais c'est vrai que on verra bien, on verra bien. Donc du coup, on va jouer comme ça, les amis, le stuff. Donc on va jouer en 6 pièces jaunes, hein, tranquille. On va le jouer avec un dégât de headshot, donc du Providence. J'ai laissé comme ça, je ne l'ai pas rétalonné parce que voilà, je pouvais rétalonner la proba en sachant que quand vous jouez snipe, ben, il faut jouer proba et dégâts headshot. Le dégât crit ne sert à rien en fait, hein. On va jouer qu'un Fenris avec chasseur de tête. J'ai pas voulu prendre le nommé parce que j'ai voulu essayer de vraiment prendre des pièces où je joue quasiment pas. Donc je l'ai mis sur un Fenris. Voilà, en attendant, j'avais pas de Overlord pour mettre le chasseur de tête. Donc j'ai laissé comme ça, vu que j'ai assez de dégâts headshot, dégâts crit, de proba. Voilà, je l'ai laissé comme ça, donc avec chasseur de tête. Donc ces dégâts sont limités à 800% de vos dégâts d'armes. Cette limite monte à 1250 si vos dégâts de headshot sont supérieurs à 150%. Voilà, c'est pas mal. Donc on fera les stats après. Bien sûr, on va jouer avec le Holster Picaro. Le 1 sac Walker avec force irrésistible. Donc force irrésistible. Donc c'est éliminer un ennemi augmente de 5% de dégâts d'armes. Peut se cumuler 5 fois. Donc 5 fois 5, 25. En sachant, pardon, je vais y arriver, que ben, une fois que le force irrésistible se met en route, en plus il dure 5 secondes. Mais vous allez voir, avec l'événement, ça dure tout le temps. Et le chasseur de tête se met toujours aussi. Alors, on va le jouer ensuite avec un grand mercenaire et une junior associate, donc Overlord, donc le dégât sur cible non abrité avec du dégât headshot. La particularité de ce stuff, donc on peut le jouer si vous voulez avec un decoy, mais bon, il ne sert à rien, hein, voilà, vu qu'on a du corrosif et tout, donc du sang, on va en récupérer. Hop, et on va le jouer avec cette arme. Donc, bien sûr, en spé sniper, logique. Et puis on va jouer avec cette arme-ci. Donc qu'est-ce que c'est que cette arme-ci? C'est Effroyable Sentence. Voilà, moi c'est une arme que je joue pas. Mais je pense qu'elle a dû être retouchée un petit peu parce qu'elle est beaucoup plus stable. Et honnêtement, je la trouve très efficace avec un événement réanimation. Alors, les tirs sur vos ennemis génèrent un cumul d'effets pouvant atteindre 20. Les headshots confèrent 2% d'effets. Chaque effet confère 2% de dégâts d'armes, 5% de dégâts headshot. Vous avez vu, imaginez quand même 5%, c'est pas mal. Au rechargement, le cumul d'effets est consommé et vous gagnez 5% de votre protection max, comme une protection temporaire pendant 10 secondes. L'élimination par headshot avec effroyable sentence réapprovisionne intégralement le chargeur. Cet effet ne compte pas comme un rechargement, donc ce qui est pas mal. Donc c'est vrai que cette arme, elle est vraiment très belle. Je trouve qu'elle est très bien faite. Voilà. Après, c'est vrai que le viseur, je suis pas fan du viseur, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour essayer de faire un stuff en attendant les pièces qui arrivent. Et tiens, d'ailleurs, Black, lui, ça me dit quelque chose. Lui, je pense que ça doit être un Français, lui. Il me semble que je l'ai déjà vu. Hop. Oh, ouais, vu son XP. Ouais. Donc, du coup, on va aller tester ça en stand de tir, les amis. Puis après, on va aller jouer un peu à l'événement. Juste pour vous montrer ce que l'effroyable sentence fait. Vous allez voir.
C'est du n'importe quoi. Donc ici, normalement, je peux réétalonner. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir réétalonner? Donc ça, c'est bon. J'ai regardé les statistiques, j'ai oublié de vous montrer. Donc avec la carcajou, donc je suis à 27 de proba, 98 de coup critique. Voilà, c'est pas beaucoup parce qu'on est là pour plus pour l'effroyable sentence. Et l'effroyable sentence, regardez, je suis à 32, 93, 240 de headshot. Et je pense que si on est autour des 8 millions, je pense qu'on peut être pas mal. Donc on verra bien. Ici, peut-être que le bricolage, donc le gant Petrov, on va peut-être le passer en. S'il veut bien me le donner, à chaque fois il me le met tout en bas. Bon, ben voilà, hein, encore une fois. Donc on va essayer de le passer en dégâts de shot, on s'en fout, hein. De toute façon vous allez voir. Hop, donc ce qui fait que maintenant les stats, on y va. À 250, on va dire c'est pas mal, hein. De toute façon il ne nous faut pas non plus énormément de critiques. On va tester ça au stand de tir les amis, puis après on ira en gameplay, on va rigoler je pense. Donc bien sûr. J'ai oublié de préciser aussi pourquoi le mettre en sniper, donc c'est très important, en spécialité de tireur d'élite. La spécialité de tireur d'élite, donc c'est tout à droite. Et en fin de compte, qui vous dit, c'est pour ça que je l'ai mis, hein, stabilité de l'arme améliorée de 15%, de diminution de recul et de réacquisition des cibles accélérées. Donc on va dire oui, bon, je pense que ça, ce talent, bon, bref. Mais en fin de compte, c'est ici. Dégâts de headshot au fusil et au fusil de précision accru de 15% permet de réaliser une élimination de précision. Donc ça, c'est très important aussi. Voilà pourquoi je l'ai mis. J'ai mis la spécialité tireur d'élite. Voilà, c'est normal, on fait du headshot. Donc pour moi, c'est logique qu'on mette le truc tireur d'élite. Allez, donc du coup, on va aller tester ça. Et puis on va bien voir. Si on est autour des 8 millions, ça serait bien. Même si j'en doute, d'après mes calculs. J'ai un doute, donc je sors le drone, hein, parce que le drone vous donne toujours un petit. Donc on va bien voir. Donc le but du jeu, c'est bien sûr de mettre le Force Irrésistible en route. Voilà. Donc là, on recharge pas. Hein. Vous avez vu, on est à 5 millions déjà. Hop. Allez, 6 millions. 7 millions, mon calcul, il est bon. Si j'arrive à 8 millions, je serai content, hein, je vous le dis. Et 9 millions, voilà. Donc c'est encore mieux de ce que j'avais dit. Donc à partir du moment que là vous voyez, vous pouvez tirer une fois, donc ça va compter comme un headshot, ok? Et là, mais par contre, vous pourrez récupérer en headshot derrière. En fait, vous avez le droit à une chance gratuite. Vous voyez, hop, ici. Donc si admettons ça va pas, vous êtes dans le jus, vous voyez, je recharge jamais que vous tirez au corps. Donc vous tirez au corps, ok? Hop, mais regardez bien. Ce qui fait qu'après vous avez du bleu à gogo, donc vous pouvez même le jouer avec intimidation qui marcherait très bien. Et ensuite, ben, il faut repartir en headshot parce qu'il faut remonter pour le talent de l'effroyable sentence qui est pour moi, franchement, avec cet événement-là. Bon, les amis, allez, on y va. Sans plus attendre, on a fait le tour, on a 8 minutes, c'est parfait. On va regarder ce qu'il y a aujourd'hui. Hop, donc il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose. Ben voyons, ben voyons. Et eh ben allez, on va faire un petit reset et puis on va se taper là-bas. Hop. Donc je me suis lancé aussi dans Shark Factory. Donc c'est vrai que pour faire mes réponses aux abonnés, donc je vous mettrai un petit gameplay. Pour l'instant, je ne peux pas faire plus, les amis. Je n'ai pas de PC. Je ne peux pas faire de montage. Donc je suis obligé de faire tout par ma console. Et honnêtement, voilà, je fais pour un max et bien sûr j'attends vos retours pour voir si ça va. Donc c'est vrai que là, ma première vidéo avec Shark Factory, donc j'ai merdé, voilà, j'ai clairement merdé parce que je reste 2 minutes sur place, voilà, mais ça je peux le gommer après, hein, parce que le temps de découvrir cette application, et puis je répondais à Discord aussi, on était en pleine discussion, ce qui fait que, voilà, j'ai enregistré mais je me suis planté. Et ça sera bien sûr à travailler. Et bien sûr, j'attends vos retours. Voilà, pour vos retours, la différence aussi, c'est que vous l'aurez pas en 4K. Voilà, j'ai pas avec YouTube, j'ai l'exclusivité 4K parce que je fais partie de leur jargon, hein. Mais avec Shark Factory, non. Shark Factory, c'est maximum du HD. Je peux pas faire plus. Donc ça, au niveau de l'image, malheureusement, voilà, je ne peux pas investir dans du PC maintenant. Il faut compter 1200 balles. 1300, même voire 1400 balles, et je ne peux pas, malheureusement. Je ne peux pas. Donc, je fais un maximum pour pouvoir faire tout en manuel, comme je fais d'habitude, mais essayer d'évoluer pour dire de vous offrir un peu plus de bonnes choses, on va dire. Voilà.
Allez, hop, donc du coup, on va aller faire ce point de contrôle là, ici. En plus, il y a une patrouille d'élite qui est là. Hop. Vous allez voir, l'effroyable sentence, c'est n'importe quoi. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est très important, parce qu'en sachant que vous avez du dégât headshot, à partir du moment que vous pouvez tomber à un mob rouge ou violet, bah, vous pouvez très bien sortir aussi l'arbitre, le finisseur parfait, qui vous donne en plus un DPS, on va dire, convenable. Alors, normalement, ici, il y a un convoi qui va arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va balancer le leurre là-bas. Allez, hop. Je vais juste regarder le convoi. Il est où? Ok, il est là. Donc là, on laisse tout le monde, hein. Vous avez vu, regardez, regardez le corrosif, regardez le corrosif, regardez le corrosif. Et en fait, cette arme, elle est d'une précision remarquable. Hop. Allez, on peut balancer le leurre. De toute façon, regardez. On peut même recharger pour récupérer du bleu. Il y a le convoi qui arrive là-bas derrière. Donc là, on va la jouer tranquille, hein, les amis. On va essayer de se mettre une petite grenade. Voilà, donc là, on peut prendre l'orbite. Voilà, hop. Oh, j'ai failli recharger. Oh, mazette, c'est pas grave. C'est pas grave, il va venir, il va venir. Ah, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de régène, bon j'aime pas ça, mais voilà, il faut juste le temps que je mette. J'ai pas voulu prendre de ruche, ça m'intéresse pas. Quand je stuff, j'essaie un stuff, je veux voir au maximum de ce qu'il donne. Allez, on pose le decoy. Voilà, hop. Allez, hop, on met une greu si on peut. Hop, parfait. Donc là, ça revient ici, donc faut pas se louper, hein, les amis, surtout, hein. Oh là, c'est un risque, hein, je vous le dis. Hein. Oh, oh, oh. Là, c'est du gangbang. C'est pas grave. Hop. Et ouais, je me suis fait fister. Mais bon, faut la jouer de loin. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais à partir du moment que tout est activé, c'est un vrai bonheur, quoi. Allez, c'est pas grave. Hein. On met le leurre. On peut passer à côté. Hop, on se remet ici. Et donc on a un quelque part. Ok. Je sais pas où il est le convoi. Soit il est parti ou... En plus, il y a une patrouille là-bas. Oh, je l'ai eu. Oh, mazette. Allez, je pense qu'il doit encore en avoir un là. Bon, je pense que j'ai perdu le convoi. Hein. Voilà, clairement. Cependant, il me marque qu'il est ici, mais bon. Ah non, il est là. Allez, convoi ramassé.
Donc maintenant, on va pouvoir bien faire le point de contrôle. On va se mettre bien en face. Et croyez-moi, les amis, on va se régaler. Vous allez voir. Regardez le rouge là-bas. Hop. Allez, on balance le leurre. Hop. On met le drone là-bas. Et on va se mettre bien en face. Hop. Allez, le rouge tout de suite. Pas. Regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez. Donc là, vous lui mettez une belle petite tête. Voilà. Comme ça, regardez, il va tomber là-bas. Hop. Donc là, forcément, ben, avec les gros, c'est compliqué parce que là, j'ai pas, y a rien qui est activé, hein, donc forcément. Allez, on va aller finir. Hop. Allez, on met le decoy. Voilà, je vais aller relever l'agent là-bas. Enfin, l'agent, l'officier. Ça revient en face. Donc on met le drone. Les rushers, hein, tout de suite si on peut. Hop. Vous avez vu quand même, c'est précis. Hein. Vous avez le droit à une petite chance, hein. C'est comme le talent résolu, c'est pareil. Donc là on peut prendre l'orbite. Hein. Hop, faudra juste faire attention au rusher. Ça arrive derrière. Oh ah, ça va arriver de l'autre côté. Il tire par où? Ok, donc rusher. Allez, voilà. S'il met sa caisse là-bas, on anticipe. On anticipe. Hein? Allez, les deux sont... Voilà, c'est fait. Honnêtement les amis, voilà, après c'est un truc à faire, hein, un truc à apprendre, mais encore une fois, il ne faut pas sous-estimer cette arme. C'est vrai que bon, j'ai du mal forcément, mais encore, elle est comme le talent résolu où elle me donne voilà, un headshot gratuit sûr, donc ça mène énormément. Hein. Mais on va dire que cette arme, elle sert à quelque chose quand même, honnêtement, rien à dire. Allez, on va regarder ce qu'il y a en loot ici, en sachant que il fallait quand même pas mal de Aegis. Hop, donc là c'est bon. On va regarder quand même ce qu'on a eu. Alors du Aegis, celui-là je vais le garder. Hop. Donc en fin de compte, pour les expertises, pareil. Hein. Si vous voyez que le Aegis, ben, vous n'avez pas besoin, hop, vous le mettez en expertise. Hop, le défi, bon là moi je n'ai pas besoin. Hein. Hop.
Donc là, moi, comme il expertisait, c'est bon. Qu'est-ce que je devais faire aussi? C'était pas sur ce compte-là. Non, c'était pas sur celui-ci. Enfin, moi, je le montrerai plus tard. Et pour pouvoir montrer aussi aux gens. Oui, donc hop, ici, je vais dans expertise. Hop, donc là, j'ai rien. Forcément, ça n'a pas monté. Après, je démantèle. Hop. Voilà. Et je vous montrerai aussi pour les nouveaux joueurs. Hein, si vous ne savez pas comment extraire un talent, j'ai gardé une arme exprès ou quoi, pardon. Pour vous montrer comment on fait pour extraire. Et si vous avez toute question à poser, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. On a créé un Discord pour la chaîne. On est quasiment un petit 65 là, ça commence à grandir. On a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Je leur souhaite la bienvenue d'ailleurs. Un grand merci aussi à eux. Hein. Et on est multiplateforme. Voilà, on est multiplateforme. Donc que ce soit sur PlayStation, que ce soit sur Xbox, que ce soit sur PC. Donc là, vous pouvez venir et croyez-moi. Il y en a pour tout le monde. Et vous jouerez avec des gens qui sont tellement gentils, d'un cœur énorme. Vous verrez qu'on est bien là. Ça commence à se construire. Mon objectif, donc vous le savez, hein, c'est les 1000 abonnés. Voilà, c'est les 1000 abonnés. Je suis pas loin. Mais honnêtement, une fois que ça sera passé, on va dire que le soulagement, il sera un peu plus. Même moi, question avec YouTube, parce que c'est beaucoup de paperasse tous les jours. Et au moins, je serai plus embêté que ça. Alors, on a combien de la vidéo? On est à 21 minutes. Et ben, on va aller faire encore un petit dernier point de contrôle vite fait. On va se mettre. Ouais, il y en a un qui est là. En plus, il y en a deux. Ce serait bien de les choper en même temps. Mais bon, ça m'étonnerait. Si on... le chargement va vite, hein, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que ma console, elle est un peu aux abois. Donc j'espère qu'elle a pas, qu'elle commence pas à avoir un coup. Oh mince, j'ai loupé le. Il y en avait deux ou pas? Il y en avait qu'un. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que on va passer tranquillement ici, les amis. Je ne vais pas parler tout bas, ça sert à rien. Voilà, hop, et on va attendre bien sûr que le convoi est un peu peut partir un peu plus loin. Et puis nous, on tournera sur la gauche, hein, sur la droite, là, ici. Hop. Voilà, donc ce qu'on peut faire même, c'est balancer le leurre ici. Et puis balancer. Vingt-cinq millions, les amis, hein. 25 millions, c'est important d'avoir le. Comme ça, ils vont tous mourir au truc. Allez. Allez, on peut déjà anticiper, mettre une grenade. Une autre. Ah non, il y en a encore un là-bas, hein. Ok, mince, mon timing, il est pas bon. Ah non, c'est. Ah, elle est là, elle! Allez, c'est important d'avoir le. Voilà, hop, on peut mettre le decoy. On va récupérer un peu de santé, vous avez vu. Regardez. Hop! Au moins dans la JTF avec nous, c'est pas mal. Allez, on peut mettre le drone, la voiture là, qui est là, c'est pas grave, on la laisse. Hop. Allez, si on peut, on va mettre le one shot au médecin, bien sûr. Hein. Allez, c'est important le médecin. Ça va être compliqué, hein, je vous le dis. Je suis pas bon au.
Je suis pas bon. Ça va trop vite. Ah, puis eux, ils m'embêtent, c'est vraiment chiant, quoi. Ah, je t'ai eu. Pouh, mazette. Là, c'est bon, il faudrait faire l'autre. Voilà, hop. Il s'est relevé. Donc on garde le force irrésistible, c'est parfait. Ouais, mais là c'est pas possible ça. Il aurait fallu se mettre en face. C'est compliqué, hein. Je vous dis, c'est très compliqué. $26 millions, ok. Voilà, qu'avec du stuff. Allez, relève ta tête, mon timing il est bon. Eh non, t'auras pas le temps, grand-mère. Bah. Eh ben. Allez, on ressort le drone. Il en reste quoi? Il en reste un? Allez, on met le decoy. De quoi avoir une grenadière quelque part, hein? C'est pas possible. Hein. Ah, ok, oui, elle est là-bas. Et voilà, 5 millions dans la tête. Alors ça ressort où? Là-bas? Oui, là-bas, ok. Moi je vous le dis les amis, ça va encore. Très concentré, j'essaie de bien viser si je peux. C'est très dur, hein, je vous le dis clairement. Voilà, headshot. 21 millions, les amis. Ouais, le verre qui se met Oh.
On n'en finira jamais, les amis, hein. Ah, on aura un petit peu de rap de 2 minutes. Allez, hop. Donc c'est important de sortir le... $30 millions. Ok. $124 millions, énorme! Énorme! $130 millions, allez. $215 millions! Ah, le jackpot! Ta tête, voilà, 46 millions. Bah, les amis, à la fin, monstrueux quand même. Hein. Monstrueux hein, quand même d'avoir autant de millions comme ça. Quand je vous dis que ça marche bien, voilà. Avec l'événement, bah, vous pouvez le jouer comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, j'attends vos retours. Moi voilà, je vous le dis, je suis content. Voilà, je suis content. Pas besoin d'avoir un stuff, one shot ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez jouer en 6 pièces, jaune. Avec un peu plus de dégâts de shot si vous voulez. Mais honnêtement, là, ça, je suis tellement content. Voilà. Même si j'aurais préféré quand même avoir un Overlord ici avec Chasseur de tête. Mais pff, je voulais pas mettre non plus le nommé Walker. Parce que je voulais penser aussi à jouer qu'autre chose. Que certains nommés. Voilà les amis. Bah écoutez, vous m'en direz les nouvelles. Voilà, j'attends avec impatience vos retours. Et honnêtement, voilà, vous pouvez jouer comme ça. Donc un masque Providence avec du dégât de shot. Bon là, je l'ai laissé en proba parce que j'ai pas étalonné, je pouvais pas. Vous pouvez mettre aussi un Overlord. Voilà, un Overlord ici avec Chasseur de tête. Ou vous pouvez le jouer bien sûr avec le nommé. Hein. Moi, je l'ai pas mis parce que je voulais changer d'avoir un peu le traditionnel, l'Oster de Picaro, je vais y arriver, au Brazos de Arcabus, avec l'Overlord, bien sûr, en dégâts de shot, je vais dire à le Grand Petrov, avec dégâts de protection et dégâts de shot, et le Force Irrésistible. Vous avez vu à la fin, quand même, avec le fusil TAC, là, 50, pouah, on a dépassé la barre des 300 millions, quand même, avec l'événement, c'est un truc de ouf, hein. Ou si jamais je me suis trompé ou que j'ai mal vu, il faudra me dire, hein. Mais mieux sans que je suis pas loin des 300 millions. Allez, bonne fin d'après-midi à tous les amis, on se dit sans doute à demain hein, pour une prochaine vidéo. On testera le capacité en striker full rouge demain. Et bien sûr, et ben, mercredi, n'oubliez pas, hein, mercredi live descente 20h30 sur la chaîne. Et on sera avec, je répète, Gauthier, Bax et le gagnant de la cache exo qui est Monsieur Okuto. Je suis très content parce que ça va être la première fois en plus que je vais jouer avec. Voilà les amis. Allez, bonne fin d'après-midi à tous. Amusez-vous bien. C'était Vince, je vous fais des gros bisous. Ciao les amis.